le Grand Prix scientifique Charles Deforest est doté de 450 000 euros. Il est destiné à aider des recherches portant cette année sur le thème « Inhibiteurs chimiques naturels ou synthétiques, outils pour la recherche et la santé ». Il est décerné à M. Raphaël Rodriguez, chercheur à l'Institut Curie, pour son projet de recherche « Ciblage du fer dans les cellules cancéreuses persistantes avec des petites molécules ». J'appelle M. Patrick Couvreur, membre de l'Académie des sciences, qui va prendre la parole pour présenter le lauréat. Merci. Chercheur à l'Institut Curie, Raphaël Rodriguez est un chimiste internationalement reconnu. Après avoir obtenu son doctorat européen des universités de Marseille et d'Oxford, il entreprend en 2009 un stage postdoctoral à l'université de Cambridge. C'est là qu'il commence à s'intéresser à l'utilisation des petites molécules pour étudier l'influence des structures de type G quadruplex de l'ADN sur l'instabilité du génome. Sa créativité et la qualité de sa production scientifique lui permettent d'obtenir très vite un poste de Senior Research Associate dans la même université. Avant d'occuper sa position actuelle, il a également passé, il faut le dire, 2 années à l'Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette. Il est aussi très important de noter qu'il a obtenu en 2015 un Consolidator Grant de l'European Research Council. Il s'agit en fait d'un soutien très important qui récompense les meilleurs projets présentés par les meilleurs chercheurs européens. En fait, les travaux de Raphaël Rodriguez se situent à l'interface de la chimie et de la biologie. Il utilise la chimie organique, c'est-à-dire les principes actifs, les sondes moléculaires, afin d'élucider des mécanismes biologiques liés aux pathologies humaines, avec un intérêt tout particulier pour la biologie des membranes, le ciblage spécifique des cellules souches cancéreuses et la régulation de l'épigénome à l'aide de petites molécules. C'est ainsi qu'il a aussi établi des protocoles astucieux pour visualiser ces molécules dans les cellules et identifier leur interaction avec de nombreuses cibles biologiques, parmi lesquelles notamment des protéines, des acides nucléiques et même, on va le voir, des métaux. Par exemple, grâce à la synthèse de la remodéline, Raphaël Rodriguez a montré que l'inhibition chimique d'une acétyltransférase, qui est une enzyme, permettait de corriger les défauts des cellules ayant subi des mutations de gènes codant pour les lamines. En fait, il faut savoir que ces mutations sont associées à un large éventail de maladies, dont fait partie notamment le syndrome de vieillissement prématuré ou progéria. Il a également réalisé la synthèse totale de plusieurs autres produits naturels, dont la marmicine A, dont il a élucidé le mécanisme de l'activité antiproliférative. Enfin, Raphaël Rodriguez a contribué à développer des stratégies chimiques afin d'identifier certains sites génomiques d'intervention de petites molécules ou aussi pour visualiser tout le trafic intracellulaire de petites molécules de synthèse. Il faut le dire, 3 de ces molécules, la pyridostatine, la carboxypyridostatine et la remodeline, sont actuellement commercialisées par la société Sigma. Mais sa découverte la plus récente a mis en évidence l'addiction pour le fer de certaines cellules cancéreuses. Cette approche lui a permis de concevoir une nouvelle génération de molécules de synthèse capables de contrôler la distribution intracellulaire du fer et de reprogrammer la réactivité chimique de ce métal afin de tuer les cellules tumorales. Ces nouvelles molécules, peut-être de futurs médicaments, ont la capacité de s'accumuler à l'intérieur des lysosomes dans la cellule, de séquestrer et d'exacerber les propriétés redox du fer pour induire ce que l'on appelle un stress oxydant et finalement la mort des cellules cancéreuses. Son objectif est maintenant d'introduire des modifications chimiques dans le but d'exacerber les interactions avec le fer lysosomial
et de décupler ainsi l'activité anticancéreuse de ces molécules contre les cellules cancéreuses souches persistantes. Il s'agit donc finalement de générer une librairie de nouvelles molécules activatrices du fer lysosomial et d'en évaluer l'activité anticancéreuse. L'ensemble des travaux de Raphaël Rodriguez constitue une démarche intégrative qui combine des éléments de réactivité en synthèse organique et des concepts innovants en chimie supramoléculaire avec des notions avancées de biologie moléculaire et cellulaire. C'est ce qui fait, je dois le dire, toute l'originalité de cette recherche, qui, bien que très fondamentale, ouvre des perspectives inattendues pour des applications dans le domaine biomédical. Je suis directeur de recherche au CNRS. J'ai la chance de diriger une équipe à l'Institut Curie. J'ai fait un parcours qui est tout à fait classique. Donc, je viens de l'université et au cours de ma formation, donc, j'ai eu la bonne fortune de pouvoir apprendre la synthèse de molécules biologiquement actives et de produits naturels complexes et de mélanger ça avec des concepts de chimie supramoléculaire, ce qui me donne donc une connaissance assez générale de la chimie et de pouvoir appliquer ces concepts de chimie à l'échelle cellulaire et qui nous permet maintenant de poser des questions qui sont d'importance médicale, à savoir utiliser les molécules biologiquement actives pour essayer d'identifier des failles cellulaires qui soient exploitables d'un point de vue médical. La typicité de notre laboratoire, c'est d'effectuer la synthèse de molécules organiques dans notre laboratoire et d'étudier la manière dont ces molécules se comportent dans la cellule, en particulier dans des modèles qui sont physiologiquement représentatifs de pathologies, en particulier le cancer et le vieillissement. Notre thématique actuelle de recherche principale est centrée sur l'étude et l'élucidation de propriétés de certains métaux comme le fer et le cuivre, et donc qui permettent à certaines cellules cancéreuses d'être résistantes, des cellules qui seront éventuellement impliquées dans les récidives et des cellules qui ont des propriétés métastatiques. Dans ce cadre, mon laboratoire, mon équipe et le personnel du laboratoire, et moi en particulier, nous sommes honorés par le choix de l'Institut de France et d'avoir reçu ce prix de la Fondation Charles de Fourré qui va nous aider de manière substantielle avec ce financement-là, qui nous permettra de prendre des risques sur cette thématique et d'avoir in fine la possibilité de développer plus rapidement et de manière plus substantielle des molécules qui sont complexes, qui demandent une infrastructure particulière et qui permettra, si nous sommes chanceux dans une certaine mesure, de pouvoir développer des médicaments à partir des molécules que nous aurons synthétisées et des mécanismes biologiques que nous aurons mis en évidence. Très bien, vous avez réalisé que nous étions par l'image à l'Institut Curie. Et maintenant, je demande à M. Raphaël Rodriguez de venir en personne monter à la tribune pour recevoir son prix.